Paris, prince troyen, fils de Priam et d'Hécube, tu mèneras Troie et sa perte. Les événements sinistres qui adviendront seront conséquence de tes choix. Méfie-toi, mon frère. La vie t'est offerte en échange de celle de milliers. Thétis et Pélée, futurs parents du héros à venir Achille, célébraient leur mariage. Mais parmi leurs invités, une déesse avait été négligée, Discorde. Celle-ci, en rage, surgit au mariage avec pour intention de causer la discorde, comme l'indique d'ailleurs son nom. Et que de mieux que de jeter une pomme destinée à la plus belle au milieu d'une foule de déesses égocentriques et vaniteuses. Athéna, déesse de la stratégie guerrière, Héra, reine des dieux, et Aphrodite, déesse de l'amour et de la beauté, se disputaient avec acharnement le titre de la plus belle. Zeus, en tant qu'arbitre, décida de remettre la pomme à son messager Hermès qui confia le choix à un mortel. Suivez-moi, ô dieu, je sais qui pourra prendre cette décision. Partons à la recherche de Paris, le prince déchu de Troie. Ô Paris, le destin te désigne le devoir de choisir la plus belle d'entre nos trois grandes déesses. Athéna te promet une surnaturelle puissance militaire et Héra, la révélation de ta véritable identité. Aphrodite, quant à elle, s'engage à t'offrir l'amour de la plus belle femme du monde. Donne la pomme à celle que tu juges la plus méritante de cette vie. Oh mon cher Hermès, malgré la bonté de chacune, l'une possède sans aucun doute la plus grande beauté. Je ne tiens ni à m'attirer les foudres d'Athéna ni d'Héra, mais Aphrodite reste à mes yeux la plus belle de toutes. Mon fils, va et retrouve ta tante Hésione à Sparte. Et Hésione, raccompagne-moi à Troie, veux-tu? Mais divagues-tu? Je suis heureuse, moi, et tiens à rester à Sparte avec mon mari, Télamon. Je rentrerai alors à Troie sans Hésione. Oh, mon ami, as-tu entendu parler de la belle et douce Hélène, femme de Ménélas? Oh oui, à travers toute la Grèce, et même les autres pays barbares, on dit qu'elle est la plus belle femme du monde. La plus belle femme du monde? Aphrodite m'avait justement promis l'amour de celle-ci. Serait-ce Hélène? Je vais aller demander l'hospitalité à Ménélas afin de me faire ma propre opinion sur le sujet. Je me garderai bien évidemment de lui faire part de la raison me conduisant à son domicile. Paris, quel honneur de recevoir chez soi le fils de Priam, roi de Troie. Je t'offre bien volontiers l'hospitalité. Cette sublime créature serait-elle Hélène? Il est donc vrai qu'elle est la plus belle femme du monde. Ô déesse parmi les mortels, viens à moi, il est temps que nous nous marions. Mais que dis-tu, mon prince? Il est temps pour moi de réclamer ce gage qui m'a été accordé jadis par Aphrodite. Suis-moi, belle d'entre les belles, je te ramènerai avec moi à Troie. Ma femme, Hélène, ma femme, si douce et si bonne, le rayon de soleil de ma vie, ce Troyen t'a enlevé sans scrupule. Je te vengerai, belle Hélène. Quelques années auparavant, un serment, le serment de Tindare, avait été prêté par tous les chefs de Grèce. Ceux-ci avaient promis de porter secours au mari d'Hélène si celle-ci venait à se faire ravir. Sous la houlette de son frère Agamemnon, Ménélas en vain a demandé aux prêteurs de serment leur aide pour sauver sa femme. Au nom de ce serment, tous les prétendants d'Hélène se mobilisèrent dès lors contre Paris. Peu après, ils convainquirent Ulysse de se joindre à eux. Puis, ils firent de même avec Achille, fils de Thétis et Pélée, avant de diriger leur flotte vers Troie. Merci, valeureux soldats, de votre loyauté. Allons donc, fantassins, et marchons sur cette terre ennemie. Les flottes n'attendent que notre arrivée pour devenir machines de guerre. La flotte grecque est bloquée à Aulis, car Artémis est hostile au chef de l'armée, Agamemnon. Seul le sacrifice de sa fille Iphigénie pourrait apaiser la colère de la déesse. Agamemnon finit par se plier aux ordres de l'oracle. Au moment du sacrifice, intervient Artémis qui dérobe Iphigénie et lui substitue une biche. La flotte part enfin pour Troie. Ménae Dethea, Peleia Dio, Achilleos, Ulomenen. Emuria Caios Alge Teke. Polas Diftimus Psukas Aidi Proiapsen Eruun. Ο τους δε βελόρια τε και κυνέσιν όιο νόησι τε πάσι. Διός δε τελέι ε το μπούλε. Εξου δε τα πρώτα διάστε τεν ερισάντε.
Atreides de Panaxandron Gaidios Achilles. Bonjour, je vous retrouve dans notre émission avec nos invités qui ont bien accepté de venir car Apollon a lancé une peste. Nous allons commencer. Qui veut prendre la parole ? Moi, Apollon, je prends la parole. Alors là, je ne suis pas du tout d'accord. C'est Agamemnon. S'il ne m'avait pas offensé, je n'aurais pas lancé la peste sur ses troupes. Moi, Achille, j'ai dit à mon peuple de le protéger et que nous allons gagner. J'ai demandé au divin Calchas de tout me dire. Moi, le divin, j'ai dit oui, mais tu devras me protéger. Oui, c'est vrai. Après, je suis allée voir Agamemnon et je lui ai dit de rendre la fille du prêtre d'Apollon. Je suis Chryséis, la fille du prêtre d'Apollon. Agamemnon m'a fait prisonnière. Hé, toi, esclave, je t'ai pas donné la parole. Revenons à nos moutons. Je veux bien rendre Chryséis à une condition que j'ai un butin équitable. Moi, Thétis, dis donc, Achille, mais pourquoi je t'ai élevé, pourquoi je t'ai mis au monde, puisque te voilà voué à une mort rapide et que tu es malheureux comme les pierres? Je t'ai demandé d'arrêter le combat. J'ai supplié Zeus, mon père, de t'aider, mais il s'est mis en colère. Moi, Zeus, j'ai dit que j'exaucerai ton vœu. La suite lundi prochain. À bientôt. Songe, va voir Agamemnon, apporte-lui mon message, qu'il arme ses troupes et qu'il s'empare de la cité de Troie. Va et ne t'arrête pas. Agamemnon, Zeus m'envoie te dire d'armer tes troupes et d'attaquer la ville de Troie. Ta victoire sera certaine. Oyez, oyez, mes chers guerriers. C'était dur la vie pendant ces longues années. Si vous êtes encore là, vous allez être épargnés. Vous pouvez retrouver toute votre famille, vos amis. Nous allons rentrer. Non mais attendez, vous êtes où, quoi? Vous allez pas partir comme ça. On en a marre de la guerre, c'est le moment de partir. On est à deux doigts d'y arriver. Vous allez rester là, c'est comme ça. Paris, j'ai envie de me battre, que se battre contre moi. Moi, Ménélas, j'ai envie de me battre contre toi. Ah non, secours, pas lui. C'est l'incapable, tu n'as ni force ni courage. Tu as raison, Hector, de me faire ces reproches. Je vais aller me battre contre Ménélas. Dis à tout le monde de se réunir autour des lignes du combat. Hélène et tous ses biens seront l'enjeu du combat. Ménélas, Paris, c'est toi, allez vous battre pour Hélène et tous ses biens. J'accepte le combat. Regarde Hélène, tout le monde s'est arrêté de se battre. Il ne reste plus que Paris et Ménélas qui se battent pour toi. Tu sais, servante, avant Ménélas était mon époux, mais j'ai quitté mes enfants à lui pour rejoindre Paris. Je n'aurais pas dû. Viens ma fille, qui sont ces gens? Là-bas, il y a Paris, ton fils et mon époux, Ménélas, mon ex-époux, et Hector. Bon, maintenant, je te laisse, je vais regarder le combat de ma chambre. Mais il est où Paris? Je t'ai sauvé, je t'ai amené dans ma chambre secrète. Maintenant, je vais t'amener dans la chambre d'Hélène. Merci, Aphrodite. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu n'étais pas en train de te battre avec Ménélas? C'est Aphrodite qui m'a emmené ici. Bon, allez, maintenant, au lit. Nous reprendrons le combat demain. D'accord.
faut que le roi Ménélas gagne pour que la guerre finisse. Paris et Ménélas mènent à un combat acharné. Ménélas prend l'avantage. Faut qu'on parle. Écoute, tu sais très bien que cette guerre ne mène à rien. Troie est condamnée à brûler, que tu le veuilles ou non. Viens-en au fait. Il faudrait qu'un Troyen viole la paix. Et pourquoi ferait-il ça? Laisse-moi terminer. Donne-moi une seule bonne raison d'accepter. Laisse-moi détruire cette ville à laquelle tu tiens tant, et en échange, je te laisserai anéantir une des miennes. Tu es folle! Jamais je ne laisserai Troie périr. Allez, Zeus! Si tu n'acceptes pas, je tuerai tous les habitants de ta si chère ville. Tu n'oserais pas? T'es sûre de toi? Bon, j'accepte, à condition qu'il y ait assez de survivants pour qu'ils puissent se reconstruire. T'es vraiment le meilleur. Athéna, j'ai parlé à Zeus à propos de Troie. Parfait. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a accepté. Mais comment t'as fait? Ah, bah tu connais Zeus, hein. Il suffit de le menacer et le tour est joué. T'es trop forte. Je sais, je sais. Athéna traverse les plaines sous forme de brume pour se rendre à Troie. Elle possède Pandare afin de contrôler tous ses gestes. Elle lui fait tirer une flèche sur Ménélas afin de violer la paix. Mes chers soldats, les Troyens ont rompu le pacte de paix. La guerre est donc déclarée et nous allons la gagner. Pour Troie, pour la Grèce! Athéna a réussi à éloigner Arès des combats. Diomède, protégé par la déesse, fait des ravages chez les Troyens. Il tue Pandare, blesse Aînée, puis sa mère, Aphrodite, venue l'aider. Comme Aphrodite remontait sur l'Olympe, Apollon sauve Aînée et le met à l'abri dans son temple. L'immortel demande alors à Arès d'aller se battre pour les Troyens. Ce dernier accepte. Prenant l'apparence de Sarpédon, il encourage les Troyens à aller se battre. Troyens, jusqu'à quand laisserez-vous massacrer votre armée par les Achéens? Attendrez-vous qu'ils combattent au pied des remparts? Sarpédon, tu as raison, allons nous battre! Hector, prince troyen, se jette dans la bataille, enflammé par les paroles de Sarpédon. Les Troyens prennent le dessus. Reine Héra, Pallas Athéna, veuillez bien nous aider à combattre les Troyens. Inquiète du retournement de situation, Héra et Athéna, autorisés par Zeus, montent sur leurs chars les armes au poing pour porter secours aux Achéens. Amis, ne voyez-vous pas que nos ennemis sont aidés par des dieux? Arès lui-même a l'audace de prendre l'apparence du Troyen Sarpédon pour se battre. Les Achéens se jettent dans la bataille. Diomède, fils de Tidée, vois Arès se diriger vers toi d'un pas décidé. Ne te laisse pas impressionner. Ne t'inquiète pas, déesse, je lui mettrai la pâtée. Je vais traduire en steak pour vautour. Calme-toi, si tu veux, j'ai des belles juments, je te les donne. Ma sœur, tu t'abaisses à aider ce fils de mortel! Il va te battre, alors maintenant, si tu as un problème, on va voir Zeus. Athéna aide donc Diomède dans son combat contre Arès, en détournant les coups portés par ce dernier et en menant la pointe de Diomède. Arès est blessé par le seul mortel à pouvoir voir les dieux. Blessé également dans son orgueil, le dieu de la guerre porte la querelle avec sa sœur devant leur père, Zeus, le roi des dieux. Chant 6, les adieux d'Hector. Dans la plaine, la bataille continue. Adras tombe du char et Ménélas le capture. À genoux, Adras le supplie. Ne me tue pas et mon père te donnera une bonne rançon. Agamemnon arrive. Tuez tous les Troyens et ne laisse pas de traces. Ménélas lâche la main d'Adras et Agamemnon le frappe à la poitrine et le tue. Hector saute de son char et donne du courage aux Troyens pour qu'ils ne cèdent pas contre les Achéens. Il part à Troie pour parler aux anciens et pour demander aux femmes de supplier les dieux. Hector se rend auprès d'Hécube, il faut qu'elle aille au temple d'Athéna pour offrir un voile et des hécatombes afin qu'elle épargne les Troyens de la guerre. Il part à la rencontre de Paris pour le convaincre d'aller en bataille. Hécube se dirige vers son palais. Elle descend dans la chambre aux mille broderies. Elle en choisit un pour l'offrir à Athéna. Puis elle se rend au temple. La prêtresse d'Athéna leur ouvre les portes dans un cri rituel tout tendant les bras vers Athéna. Nous t'offrirons ce voile et ses 12 génisses. S'il te plaît, protège les Troyens de la guerre. Hector arrive chez Paris, entre dans la chambre et dit « Pauvre fou, c'est honteux d'éprouver un tel sentiment avec les Troyens. Tu as raison Hector, je vais aller au combat » répondit Paris.
Hélène arrive et dit « Pauvre beau-frère de la femme au cœur plein de méchanceté, pourquoi n'ai-je pas disparu avant que ces malheurs n'arrivent ?» Hector répondit « Les Troyens regrettent mon absence, mais toi, fais partir Paris pour qu'il me rejoigne avant que je parte de la ville pour rejoindre ma femme et mon fils. » Hector dit au revoir à Andromaque et à son fils avant de partir au combat. Puis il s'élance à travers la ville rejoindre son frère Paris. Hector dit à Paris « Tu es un homme courageux, mais tu as fait tes responsabilités en abandonnant le combat. Nous réglerons ce problème plus tard. Les Troyens ont besoin de nous. Retournons nous battre. » Les guerriers seront les seuls vainqueurs, Athéna. Avec Hector, on ne peut que gagner. Non, ce seront les Grecs qui remporteront cette guerre. Je te rappelle que nous avons Ajax. Du coup, nous avons tous les deux un valeureux guerrier. Pourquoi ne pas les faire se battre ? Ok, si tu acceptes le pacte, demain, à l'aurore, nos guerriers se rencontreront dans un combat singulier. Le meilleur gagne. Le combat commence, la nuit tombe et aucun des deux n'a triomphé. Ils sont blessés et décident de faire une pause et s'offrent de nombreux présents. Les Grecs renforcent leur campement. Au petit jour, Zeus exige des dieux qu'ils restent neutres, mais la balance penche en faveur des Troyens. Athéna et Héra ne peuvent rester sans agir face au repli des Grecs. Elles désobéissent à Zeus en secourant ces derniers, mais sont rapidement rappelées à l'ordre. Quand la nuit tombe, 5000 Troyens campent dans la plaine. Roi chef venu de toute la Grèce, Zeus m'ordonne de retourner sans gloire à Argos. Obéissez à mes paroles et fuyez sur vos nefs. Malheureux, penses-tu que nous sommes aussi faibles et lâches que toi ? Fuis sur les nefs si tu le souhaites, mais moi, je combattrai jusqu'à la chute de Troie. Maintenant, préparons à manger et plaçons des gardes devant les murailles. Agamemnon, si tu veux gagner la guerre, tu devrais rendre Briseis à Achille ainsi que de nombreux présents. Nestor, tu n'as pas tort. Briseis lui sera rendu s'il dépose sa colère et nous épargne de celle des dieux. Envoyons rapidement des messagers pour lui annoncer la nouvelle. Ulysse, Ajax et Phénix, allez-y. Je vous salue, guerrier. Certes, vous êtes les bienvenus. Mais quelle obligation vous amène ici ? Achille, seul ton courage et ta force pourraient nous permettre de gagner cette guerre. Oublie ta colère envers Agamemnon, il te rend Briseis. L'outrage que m'a fait Agamemnon est impardonnable, et même s'il me donnait toutes ses richesses, je refuserais. Phénix, je retourne dans ma patrie. Si tu le veux, tu peux me suivre. Si tu as déjà choisi ta voie, cher fils, et si tu refuses de te battre, comment pourrais-je t'abandonner et rester seul ici ? Allons-nous-en. Ces discours n'auront point de fin, et il nous faut apporter une réponse, bien que mauvaise, aux Achéens. Si Achille décide de laisser mourir ses amis, c'est son choix.
Achille a-t-il accepté notre demande ? Non, il refuse tes cadeaux. Mais même sans son aide, nous gagnerons cette guerre. Afin de connaître les intentions des Troyens, le chef des Achéens, sur le conseil du sage Nestor, décide d'envoyer Diomède et Ulysse espionner leurs ennemis. Nestor a parlé, mes frères. Vous irez épier les Troyens. Dans le camp adverse, Hector envoie Dolon. Dolon. En reconnaissance près du campement des Grecs, mais... Dolon est capturé par les deux espions Achéens. Puis torturé. Après avoir livré des renseignements stratégiques, il est exécuté par Diomède. Tuez-le ! Poussant leur avantage, Ulysse et Diomède massacrent les chefs thraces, alliés des Troyens, endormis près du feu. Et ramènent leurs chevaux auprès des navires. Cet exploit ravive l'espoir d'une victoire prochaine parmi les Achéens. Cet épisode est appelé, d'après le nom de Dolon, la Dolonie. Autour de 1250 avant Jésus-Christ, la guerre de Troie faisait rage, et les Troyens se faisaient bien éclater par les Grecs, autrement nommés Achéens, et dirigés par Agamemnon, un puissant guerrier. Hector, chef des Troyens, perdait espoir après de si cuisantes défaites sur le champ de bataille, mais Zeus, roi des dieux, envoya Iris, sa messagère, sous forme d'un papillon d'ailleurs, prévenir Hector que Zeus se soutient, et qu'il fallait continuer le combat. Elle lui révéla aussi une prophétie. Dès que Agamemnon sera blessé sur le champ de bataille, les Troyens reprendront l'avantage. La prophétie se réalisa. Fight. De nombreux commandants grecs suivirent Agamemnon dans son sort, à l'exception d'Achille. Les Grecs se replièrent vers leur camp sur les plages. Achille, inquiet, demanda à Patrocle, un combattant grec, d'aller s'informer auprès de Nestor, un sage. Patrocle marcha jusqu'au temple de Nestor pour que ce dernier l'ordonne de convaincre Achille de reprendre les combats contre Troie. Sauf que, au lieu d'aller prévenir Achille, Patrocle alla réconforter Eurypyle, un des commandants grecs blessés, dans sa tente, pour faire on ne sait trop quoi. La bataille est perdue pour les Achéens, leur morale est au plus bas. Les Troyens et les Achéens sont toujours en guerre. Hector et ses hommes ont décidé d'assiéger le campement de leurs ennemis. Les Achéens, qui sont toujours à l'intérieur de leur campement, tentent de résister aux attaques des Troyens, mais les batailles sont violentes. Les remparts que les Grecs ont construits risquent de ne plus tenir très longtemps. Hector profite de la faiblesse de ses ennemis et de l'aide que Zeus lui apporte pour entrer dans le campement de ses adversaires. Une fois à l'intérieur, Hector et ses troupes se livrent à une rude bataille contre les Achéens. Les Troyens prennent le dessus et laissent les Grecs dans une mauvaise position. Poséidon, voyant ce qui se passe sur Terre et la réaction de son frère, va donc intervenir dans cette bataille interminable. Poséidon, déguisé en vieil oracle, parle donc aux Grecs tout en leur donnant la force et l'endurance pour se battre. Nous, Grecs de toute contrée, nous allons vous écraser comme pendant ces 10 dernières années. Venez vous battre, voleurs de femmes, broiriens.
Ajax, l'homme de force, ton stratège me provoquerait-il ? Je vous attends, pauvre fou pensant traverser nos murailles d'or. Venez vous battre ! La bataille sans merci reprend donc. Les soldats se regroupent autour de combats singuliers et encouragent leur héros. Les Achéens et les Troyens sont sur le champ de bataille. Les Achéens sont en mauvaise position. Écoutez-moi tous maintenant, on sortait de la guerre, exécution. Chef, allez, allez, on se bouge. Quelques temps plus tard, Poséidon parle à Agamemnon, qui s'est retiré de la guerre. Agamemnon, tu peux m'expliquer ce qui se passe? Pourquoi tu t'es retiré de la guerre? T'as intérêt à avoir une bonne raison. On peut plus continuer comme ça. Si ça continue, d'ici 2 heures, tu auras plus personne à engueuler. T'inquiète pas, j'ai un plan, ça va marcher. Bon, ok, c'est ce que tu veux, je vais leur dire. Poséidon rentre à l'Olympe après avoir parlé à Agamemnon et rejoint les autres dieux. C'est bon, j'ai réussi à les convaincre de continuer à se battre. Maintenant, c'est à toi de te débrouiller pour distraire Zeus. Bon, t'es bien gentil, mais je fais comment, moi? Bah, je sais pas, t'as qu'à demander à Aphrodite, elle sait toujours tout, de toute façon. Bon, ok, je te laisse, je vais la voir. Hera rend alors une visite improvisée à sa vieille amie Aphrodite pour lui demander des conseils. Écoute Aphrodite, j'ai un gros problème, faut vraiment que tu m'aides, c'est super important. Bah vas-y, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Il faut que tu me trouves une solution pour séduire Zeus, j'en ai vraiment besoin pour gagner la guerre. Je sais, attends-moi, j'ai la solution. Bon, j'ai trouvé, j'arrive. Tiens, prends cette ceinture, tu verras, tu la mets à ton sein et il pourra pas te résister. Merci vraiment Aphrodite, t'es vraiment la meilleure, tu me sauves la vie, je te revaudrai ça. Hera va donc de ce pas rendre visite à Zeus avec la ceinture d'Aphrodite accrochée à son sein. Hera, mais qu'est-ce que tu fais là? Bah je sais pas, tu me manquais, j'ai envie de te voir. C'est vrai que ça fait un moment qu'on n'a pas passé de moment tous les deux, seul à seul. Bah écoute, on peut arranger ça si tu veux. De retour sur le champ de bataille où les Achéens essaient de reprendre le dessus sur les Troyens. Il faut tuer Hector. Oui, oui chef. Hector, gravement blessé par les Achéens, est raccompagné par ses compagnons. Au sommet du mont Ida, Zeus se réveille furieux contre sa femme qui l'a trahi. Alors en colère, il part voir Iris, à qui il demande d'aller voir Poséidon pour essayer de stopper la guerre. Peu après, Iris arrive auprès de Poséidon et lui explique que son frère lui demande d'arrêter la guerre. Poséidon, rancunier et un peu borné sur les bords, refuse puis accepte. Ensuite, Zeus continue sa quête jusqu'à Apollon, à qui il demande de partir soigner Hector. Apollon, plutôt sympa, accepte et soigne Hector. Alors soigné et reboosté, Hector repart combattre les Grecs et en tue pas mal. Du côté grec, rien ne va plus. Patrocle, effrayé, combat aux côtés d'Achille pendant qu'Ajax veille sur leur flotte. Malgré la résistance, Hector arrive à brûler les bateaux grecs et continue les combats.
Les Troyens avançaient et menaçaient de prendre camp grec. Oh Achille, les Troyens sont là. Peux-tu me prêter tes armes et tes terribles guerriers Myrmidon ? J'accepte, mais à la condition que tu te contentes de renvoyer les Troyens chez eux et de ne pas attaquer leur cité. Achille fait des sacrifices à Zeus pour porter chance à Patrocle. J'entends ton appel, Achille, mais je ne peux prendre parti pour aucun des deux camps. J'y consens malgré moi, mais à condition que Patrocle y laisse la vie. Patrocle s'apprête à repousser les Troyens. À l'assaut, Myrmidon ! Sarpédon, un chef troyen, arrive pour aider sa patrie à prendre le camp grec. Mais il n'est pas assez fort face à Patrocle. Meurs, Sarpédon ! Patrocle parvient à sauver le camp grec, mais continue à battre jusqu'aux portes de Troie. C'est alors qu'Apollon intervient pour sauver la cité et protéger les Troyens. Cesse cet affront, Patrocle. Je ne fais que sauver ma patrie, dieu de l'océan. L'honneur de Sarpédon ne sera pas si facilement bafoué. Tu viens de t'attirer le courroux d'un dieu. Apollon prend part au combat et affronte Patrocle. Tes coups sont dignes de ceux d'un dieu. Je ne fais guère attention aux flatteries, mortelles. Euphorbe arrive pour faire face à son tour au héros grec. Le combat fait rage et Hector, prince de Troie, scelle le sort de Patrocle. Il se sera bien battu pour sa patrie. Ménélas, grand chef, éloigne-toi de ce cadavre, car personne d'autre que moi peut tuer Patrocle dans cette bataille. Ton frère osa m'insulter en me disant que j'étais le moins brave, et je briserai ta force si tu veux te tenir devant moi, comme ton frère l'a fait. Va, je te conseille de partir. Aujourd'hui, tu vas payer pour avoir brûlé mon frère, et en te vantant par tes discours. Achille, j'ai quelque chose à te dire. Oui, dis-moi. Patrocle ne reviendra pas. Je n'ai pas pu récupérer sa dépouille. Tu mens ? Il ne peut pas ? C'est impossible ! Je suis désolé. Le duel avec Hector lui fut fatal. Il va payer, je le jure de le tuer, de l'humilier. Achille, mon enfant, ne te précipite pas vers la mort. Tu n'as ni armure, ni arme. Donne-moi le temps de t'en trouver d'autres. Repose-toi et fais ton deuil. J'aimerais que tu forges une armure pour mon fils, Achille. Non ! Hector, écoute les conseils que j'ai pour toi. Achille est un demi-dieu, intouchable et presque immortel. Tes chances de ressortir vivant de ce combat sont extrêmement minces. Thank you.
Observant la guerre entre Troyens et Grecs depuis l'Olympe, Zeus convoque l'assemblée des immortels. Il les incite alors à prendre part, d'un côté ou de l'autre, dans la guerre qui fait rage. Chacun se dirige donc vers le camp de son choix. Apollon, qui s'est rangé aux côtés des Troyens, va insuffler une grande force aînée qui se lance avec ardeur dans un combat contre le héros grec Achille. Mais au fur et à mesure des attaques, aînée se retrouve en difficulté. Alors Poséidon, pris de pitié pour lui, porte aînée hors du champ de bataille. Achille, perdant son adversaire, devient soudain pris de rage et arpente le champ de bataille en faisant un carnage dans le camp adverse. Allant même jusqu'à tuer le frère du héros Hector, fils du roi troyen. Hector, qui voit ce crime, se lance dans un combat contre Achille. Pourtant, il ne résiste pas longtemps et Poséidon intervient en éloignant Hector du combat. Achille, furieux de s'être fait duper une seconde fois, recommence son massacre parmi les Troyens, qui se sauve alors devant la férocité du héros grec. Achille est en pleine bataille contre les Troyens au bord du fleuve Scalamandre. Il fait 12 prisonniers qu'il va ensuite brûler pour venger Patrocle, son cousin. Lycaon, fils de Priam, surnommé Hector, est tué lors d'un duel contre Achille. Astéropée, un Troyen, meurt en attaquant Achille. Scalamandre gonfle ses os pour noyer Achille. Il se soulève sur la demande de Poséidon. Héra veut que Achille reste en vie, ainsi elle demande à Héphaïstos de l'aider. Le Simoïse monte lui aussi ses os pour adjoindre son cours à celui du Scalamandre. Apollon essaye d'inciter Achille à arrêter son meurtre, mais il ne réussit pas. Il va donc se métamorphoser en Agénor pour le tromper. Achille va tuer Apollon. De cette manière, il va s'écarter des remparts. Pendant ce temps, les Troyens rentrent dans leur forteresse. Héra demande à Héphaïstos de faire un feu divin pour assécher le fleuve afin de sauver Achille. Quand les dieux remarquent ce qu'a fait Héphaïstos, tous se mettent en colère. Achille poursuit et essaie de tuer le plus de Troyens qui tentent de rentrer dans Troie. Apollon est poursuivi par Achille. Achille est énervé. Pourquoi me poursuis-tu ainsi? Je suis un dieu et tu n'es qu'un mortel. Jamais tu me tueras. Pendant ce temps, les parents d'Hector, Priam et Hécube le supplient de rester à Troie. S'il te plaît, il est plus fort, il va te tuer. Si, je veux le tuer. Tu es notre dernier fils, alors tu ne te feras pas tuer. Achille arrive devant les murs de Troie. J'ai vaincu les Troyens, alors je te tuerai comme je les ai tués. Non, c'est moi qui te tuerai. À l'Olympe, au même moment, Athéna et Zeus décident du sort du combat. J'aimerais qu'Achille gagne. C'est mon guerrier préféré, s'il vous plaît, père. Vu que tu es ma fille préférée, je vais exaucer ce vœu. Une javeline apparut dans les mains d'Achille. Tu vois, je suis imbattable. Andromaque pleure la mort de son mari. Achille traîne Hector derrière son char. Non, Hector! Trois Achéens montent sur leur char et tournent trois fois autour du cadavre de Patrocle pour l'honorer. Dans la tente d'Achille, le fantôme de Patrocle apparaît et il dit « Dépêche-toi de fêter mes funérailles pour que je puisse descendre chez Hadès. »
Lors des funérailles de Patrocle, des vaches, des moutons et des prisonniers sont sacrifiés en son honneur. Ajax et Ulysse s'affrontent à la lutte pour honorer Patrocle. Diomède, Eumel et Ménélas s'affrontent à la course de chars. Teucros et Mérion s'affrontent au tir à l'arc pour toucher la colombe. Ajax et Épios s'affrontent au lancer du disque. Ajax et Ulysse s'affrontent à la course à pied. Pleurait en se souvenant de son cher ami Patrocle. De rage, il attelait les chevaux et traînait le cadavre d'Hector autour du tombeau de son ami. Sur l'Olympe, tous les dieux étaient irrités. Ce que fait Achille n'est ni bon ni juste. Oh, le plus puissant des dieux. Tes paroles sont justes, Apollon. Qu'on envoie tes 10 aux pieds d'argent pour se rendre auprès de son fils Achille, de cesser ce traitement odieux. Qu'on envoie Iris aux pieds tourbillonnants. Prévenir Priam qu'il pourra récupérer la dépouille de son fils Hector. Mon fils, tous les dieux sont irrités parce que dans ta fureur, tu retiens Hector. Rends-le donc à son père et reçois le prix de son cadavre. Soit, je ferai ce que tu dis, puisque l'Olympien lui-même le veut. Rassure-toi, Priam, ne tremble pas. Je suis envoyé par Zeus. Il t'ordonne de porter des présents à Achille et de retrouver le corps d'Hector afin de lui faire des funérailles décentes. Tu seras aidé, Hermès. Je suis Hermès, un dieu immortel et grâce à mes déplacements ailés, je vais t'aider à retrouver la tente d'Achille. Maintenant qu'on est devant sa tente, je vais te laisser. Entre, Priam, et supplie Achille. Essaie de le toucher dans son cœur et parle-lui de son père. Souviens-toi de ton père, Achille. Lui sait que tu es vivant et s'en réjouit. Moi, je n'ai plus mon fils Hector que tu as tué alors qu'il combattait pour sa patrie. Rends-le-moi et accepte les présents nombreux que je te porte. Ne t'irrite point contre moi, Patrocle.
si tu apprends chez Hadès que j'ai rendu Hector à son père bien-aimé, car il m'a fait des présents honorables dont je te réserve une part égale. Ton fils t'est rendu comme tu l'as désiré. Il est allongé sur son lit funeste. Les femmes l'ont lavé, parfumé, enveloppé d'un beau manteau. Si tu veux que je rende de juste honneur à mon fils, accepte une trêve pendant la période du deuil. Après, s'il faut, nous combattrons de nouveau. Soit, il en sera ainsi. Avec l'aide d'Hermès, Priam ramena le lit funeste. Tout le peuple se rassembla autour du bûcher de l'illustre Hector. Puis, ils déposèrent dans une urne ses os fumants et ils la mirent dans une fosse sur laquelle ils élevèrent un tombeau. C'est ainsi qu'ils accomplirent les funérailles d'Hector, dompteur de chevaux. Thank you.
destruction de la colline de l'Olympe pour les projets de latin de l'Iliade. Ah, c'est nos deux Troyens. Donc là, on a Hector et Sarpedon, donc Arès qui s'est dit ok, ça c'est bon. Ensuite, dans les. Alors, ça c'est la colline où au tout début il y a Athéna et Arès, et après on va appeler Apollon et Arès dessus. Le bateau des Grecs arrive sur la plage. Ajax et Hector vont s'affronter en combat synchronisé. En train de mettre de la mousse pour faire comme si c'était une grotte, ça va faire un relief, comme des cailloux. Tu t'en sors avec des épées toi? Bah là on fait une agora pour le mettre dans le sable et après... Quelle idée a-t-on d'amener ici? L'outrage qui m'a fait Agamemnon est impardonnable. Et même s'il me donnait toutes ses richesses, je refuserais. Alors là on est en train de peindre une muraille qui serait la muraille de Troie. On la peint avec du bronze brillant. Les légendes ils disent que Troie c'est une ville qui est un peu brillante. On utilise cette bombe. Alors bonjour à tous, on est toujours sur le projet de l'Iliade. Et là on attaque sur la vidéo d'une partie, d'un des champs. Ok, donc là on va commencer la répète pour les guerriers.